Salut à toutes et salut à tous, c'est Fuse et bienvenue pour ce tout nouveau Let's Play sur Destrega. Voici l'épisode 0 où je vais donc vous présenter un petit peu le gameplay du jeu. Alors, sorti en 1999 et développé par Koei, mondialement connu pour ses Dynasty Warriors, et développé aussi par Omega Force qui a fait récemment One Piece Pirate Warrior 1 et 2. Donc je vais vous montrer un petit peu le système de gameplay, je vais pas vous parler de l'histoire. Donc il y a 12 personnages. Alors ce jeu je l'ai découvert sur une démo où les seuls personnages jouables étaient Grad et Milena. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les touches. Je vais pas vous parler du scénario, le scénario vous le comprendrez tout seul, mais bien évidemment le scénario est vraiment super bien fait pour un jeu de combat quoi. Donc voilà. Alors en personnage je vais prendre Falma et je vais affronter Milena. Donc elle va pas bouger. Donc alors je vais vous expliquer les touches, elles sont vraiment très simples. On est un petit peu basé sur le système de pierre papier ciseaux, mais vous allez voir le gameplay n'est vraiment pas détestable et il y a de très belles musiques. Donc voilà, profitez-en. Donc alors pour bouger, tout simplement c'est les flèches hein, bien évidemment. Donc bas, droite, gauche hein, bien évidemment. Donc voilà, pour vous protéger c'est L1 je crois, non R1 c'est pour dasher, voilà. Pour vous protéger il s'agit de L1, sauter c'est croix. Alors maintenant il y a une phase corps à corps, donc carré c'est des attaques normales, donc un coup vous frappez et après vous pouvez enchaîner par des combos, carré 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 carré, voilà, hop. Après triangle c'est des attaques puissantes, donc un coup qui est puissant, voilà tout simplement, voilà, merci. Oups, et rond c'est une technique, une attaque de côté qui consiste à propulser l'adversaire. Ou pardon, je me suis trompé, voilà, attaque de côté, s'il te plaît Falma, puisque Falma est un homme. Voilà, attaque de côté, je vais en faire une, voilà, attaque de côté. Alors ensuite maintenant il y a les attaques à distance, donc c'est parti. Carré c'est pour faire un diffuse, triangle c'est pour faire un faux, et rond c'est pour faire un est. Alors en fait ça c'est tous les pouvoirs qu'on appelle les Strega, et en fait on peut enchaîner plusieurs touches, donc ça va vous permettre de lancer plusieurs rayons différents. Il s'agit de la partie donc attaque à distance. Donc voilà, vous pouvez appuyer trois fois sur une même touche si vous le désirez. Donc voilà, vous pouvez faire carré, triangle, triangle, rond, triangle, triangle, voilà quoi. Et en fait si votre adversaire lance une technique en même temps que la vôtre, et eh ben ça peut faire un choc de technique, et en fait celui qui aura fait la bonne technique et eh bien gagnera le duel. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu basé sur pierre papier ciseaux, mais je retrouve pas franchement. Voilà, carré, triangle et rond, ça fait en fait l'attaque ultime de chaque personnage. Donc voilà. Je pense que voilà, ah oui, là, vous, si vous vous protégez pendant que vous êtes en train de charger, ça pourra dévier les missiles de votre adversaire. Et si vous appuyez sur R1, ça vous fera dasher vers votre adversaire en utilisant votre ki. Bon, maintenant je vais quitter, on va faire quelques petits combats pour vous montrer. Je crois que je vais en faire un. Ouais, un ou deux, puisque la vidéo doit vraiment être très courte. Donc voilà, je vais prendre comme personnage, encore une fois, bah, je crois que je vais prendre Cougar, voilà le ninja. Et c'est parti, on va affronter donc Angie. Et la musique est vraiment très bien faite. Alors Angie c'est un personnage, je crois, qui a été développé bon, bah, spécialement pour la... bon, voilà, tous les personnages ont été créés spécialement pour ce jeu, mais voilà, c'est vraiment un clin d'œil fait à Sony, puisqu'en fait dans ses techniques elle vous balance les touches de la console. Sauf la touche croix, mais la touche croix vous la balance dans son attaque ultime, donc voilà. C'est pour dire donc... tous ces pouvoirs en fait viennent de reliques. Et en fait les gens qui ont des pouvoirs comme ça on les appelle les Strega. Et le problème c'est que y a un méchant, donc le grand méchant de l'histoire veut tuer tous les Strega pour dominer le monde. Donc voilà, c'est vraiment un scénario classique, mais vous allez voir c'est hyper bien. Enfin les doublages sont assez moyens, mais franchement l'histoire ça tient vraiment vraiment bien la route. Donc voilà, on affronte Tiem qui est un petit peu voilà, un double épéiste à la Lloyd Irving de Tales of Symphonia. Mais voilà, je pense que les personnages on va les trouver attachants. D'ailleurs Tiem et Cougar sont deux amis dans le scénario. Donc le scénario, je sais pas en combien de temps je le ferai. Je crois que je le ferai en 4-5 épisodes, puisqu'il me semble qu'au bout d'une heure et demie quand même c'est terminé. Mais pour un jeu de PS... non je sais pas, je sais plus exactement combien de temps il faut. Mais voilà quoi, c'est vraiment un très bon jeu. Vous avez peut-être eu la démo vous aussi, et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas de let's play en français de ce jeu. Voilà, j'ai vu que Bob Lennon avait fait une vidéo là-dessus, le fameux Bob Lennon, donc voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, donc là j'affronte Grad, donc c'est un petit peu le personnage principal qu'on va contrôler un petit peu tout au long du jeu. Donc voilà, c'est Grad qui est vraiment très puissant, d'ailleurs je crois que je vais perdre ce combat. Mais voilà, on peut aimer, on peut ne pas aimer le gameplay. Il a été noté 13 sur 20 par jeuxvideo.com, et voilà, franchement il ferait... Il rendrait jaloux pas mal de producteurs de jeux. Par exemple, on voit, il y a beaucoup de Virtua Fighter, des Dead or Alive qui sortent et tout. Vraiment, il y a des Soul Calibur aussi d'ailleurs, il y a des suites de Soul Calibur tout le temps, alors que les nouveaux Soul Calibur sont pas bien du tout. Et voilà, quoi, je trouve vraiment que c'est... par rapport au Soul Calibur, c'est pas très... C'est meilleur que les nouveaux Soul Calibur, quoi. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour le vrai Let's Play. Salut!